Après une semaine passe à Cannes pour couvrir la 75e édition du Festival de Cannes, Julia Vignali a retrouvé sa place de co-animatrice de Tôt le matin sur France 2. Son retour en plateau, aux côtés de Thomas Soto, a été salué par 816 000 téléspectateurs, soit 28,1%, ensemble du public, le lundi 30 mai 2022. Julia Vignali et Thomas Soto se sont chargés d'orchestrer une nouvelle édition de Tôt le matin le mardi 31 mai. François Salachaès est invité en plateau. Le neurologue et membre du collectif Interhôpitaux a mis Thomas Soto en alerte sur la situation des hôpitaux. IKS, est grave, est un drame absolu. Il y avait effectivement une occasion après le Covid de faire quelque chose de vraiment significatif, a-t-il dit plus. Car c'est grave, c'est un drame absolu. François Salacha, neurologue@hôpitaux.salp, avait interpellé Emmanuel Macron sur la situation des hôpitaux en 2020. Croisillons-te le matin pic.twitter.com/jz2kclocaw. Te le matin mai 31, 2022, il y a eu un immense investissement des soignants pendant la première vague de Covid et on a annoncé, on appelle le Ségur de la Santé, a ajouté François Salacha. Thomas Soto lui a alors répliqué, ICN, et pas rien. 19 milliards plus 10 ar 13 milliards des augmentation de salaire, IC, et des elements de langage. C, et 19 milliards sur 10 ans pour elle, hôpital public, elle, hôpital privé, le médico-social, IS, est en presse de rectifier son invite. François Salacha a martelé que la situation était dramatique. Il faut faire, et refonder, refinancer elle, hôpital public et permettre au personnel de travailler dans des conditions qui font que le soin qu'ils apportent aux patients correspondent aux valeurs pour lesquelles ils ont choisi ce type de métier, a de taille le neurologue de elle, hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, qui a ensuite estimé que, il le ségure à être le minimum pour faire de la commu. Demain avoir accusé un début de semaine en baisse, te le matin et passe à la contre-attaque. Sous la complicité de Thomas Soto, Julia Vignali a explosé la courbe des audiences de sa matinale un net gain de 2,7 points par rapport au mardi 24 mai. 2S est positionné large leader en concurrent une moyenne de 856 000 téléspectateurs, soit 30,8% ensemble du public, entre 6h28 et 9h20.